Jean Kakou Diagou, le patron des patrons face aux journalistes ivoiriens, un cadre, la maison de la presse d'Abidjan Plateau, une tribune, le Press Club, une tribune d'échange des vérités de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Les échanges et la vérité de ce mardi 25 mars ont porté sur le PND, Programme national de développement, sur la période 2012-2015, avec une question au débat, la place du privé ivoirien dans la réalisation des grands projets d'infrastructure du Programme national de développement 2012-2015. Jean Kakou Diagou est réaliste. Il connaît la taille des entreprises ivoiriennes, leurs capacités, leurs moyens. Conclusion, elles sont incapables d'être au premier plan. En revanche, elles doivent donc chercher à s'inscrire dans la sous-traitance et participer avec leur identité propre à la construction de la Côte d'Ivoire de demain. Le PND, c'est simplement, je dirais, un cadre que l'État a tracé en mettant en exergue certains projets, les grands projets. Mais le développement ne se fait pas seulement par les grands projets. Le développement se fait surtout par le travail des PME, PMI, le travail de fourmis des PME, PMI dans un pays. Et ces PME, PMI peuvent se développer encore plus avec ces grands projets, autour de ces grands projets. Autre challenge pour le privé ivoirien en devenir, susciter l'esprit d'entrepreneuriat. À ce niveau, il a levé une équivoque. On peut être bien formé, être compétent et ne pas avoir l'esprit d'entreprise. C'est deux choses que nous essayons d'inculquer aux Ivoiriens par la CGCI Academy. Nous nous sommes donné cette mission. Allons-nous réussir? Nous espérons. Inculquer l'esprit d'entrepreneuriat. Une formation est prévue à cet effet. 2000 places sont offertes aux jeunes Ivoiriens et c'est pour bientôt. Jean Kakou Diagou lance donc un appel pressant aux journalistes ivoiriens pour aider à l'avènement d'une nouvelle race d'entrepreneurs ivoiriens. Les investisseurs.